Salut, c'est Isor Zalis, vlog de voyage, road trip d'ouest en est de la France, jour 5. Enfin, je veux dire épisode 5. Le gros orage est passé, on a perdu plus de 10 degrés et on va quitter Colmar, direction Strasbourg. Allons-y! Alors, c'est pas de la petite pluie, hein. On va faire de la route vraiment sous la tempête. Ouais, c'est de la grosse pluie d'orage. Hein. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1000 miles to fall down at your door. Je pense à l'instruction du professeur de 1926. Le texte indique que s'il y a une contradiction entre l'histoire et l'amour de la patrie, c'est l'amour intransigeant de la vérité qui l'emporte. L'amour de la vérité jusqu'à l'intransigeance. C'est bon, non ? Les manuels scolaires. Un autre progrès majeur réside dans la présence des femmes, des esclaves et des colonies dans les programmes. Nous ne sommes plus dans une histoire héroïsée, s'arrêtant seulement sur les grandes figures historiques. Les nouveaux programmes dans leur globalité essayent d'intégrer la recherche scientifique la plus récente, comme par exemple l'étude des mutineries dans le chapitre consacré à la Première Guerre mondiale. Tout cela est de bon augure. Enfin arrivé à Strasbourg, enfin! Alors on a eu la tempête, on a eu les bouchons, c'était vraiment épique. Mais mon chéri a conduit vaillamment et maintenant qu'on est à l'hôtel, on est bien installé. C'est rigolo parce que je suis installée sur une banquette, là, en face de la fenêtre, donc ça fait bay window comme dans Girl Meets World, comme dans le monde de Riley. Et donc moi je quitte ma petite banquette pour vous montrer... Oh, Morgane! Oh, Morgane se repose, Morgane a conduit vaillamment. Vaillamment. Ah mais c'était dur, hein. Mais maintenant qu'on est à Strasbourg, on va bien en profiter. Alors, première destination, on va aller à Velicious, restaurant qui est partenaire de Happy Cow. Alors là, j'ai un super bon a priori. À Tokyo, un restaurant partenaire, c'était Ainsoft. Je vous ai dit un million de fois que Ainsoft à Shinjuku, c'est juste trop, trop bien, trop bon. Et puis, on va explorer Strasbourg aussi, même s'il pleut. On va aller découvrir la petite France ici. Donc on dirait que c'est entouré d'eau, on dirait presque que c'est une petite île, donc ça a l'air très sympa. Rectificatif, on va plutôt aller à Bistro en Chocolat, le nom est mignon. Et c'est pas un pur vegan, mais c'est un restaurant végétarien et vegan friendly, donc ce sera super. Et surtout, ça offre plein de desserts au chocolat, donc pour mon chéri qui adore les pâtisseries, ça va être génial. Ouais, parce qu'en fait, l'autre restaurant, il est à l'autre bout de la ville. Donc comme on aime bien tout faire à pied, déjà Bistro en Chocolat c'est à 22 minutes à pied sous la pluie, ce sera déjà bien. Allez, c'est parti! Strasbourg sous la pluie. Oh, c'est très beau. Il y a même des canards, moi j'aime bien. Oh, il y a même Lily qui filme. Voilà, voilà. Ce sera peut-être compliqué de filmer en extérieur. Voilà, alors la pluie commence vraiment à être importante. J'essaie de protéger la caméra plus que moi-même. Donc ici derrière moi, je pense que c'est ce qui est appelé la Petite France. Donc le centre historique. C'est très joli. Ce sera peut-être compliqué de filmer en extérieur. Apparemment on peut monter aussi en haut ici. Il y a une terrasse pour avoir une belle vue. S'il y a une once d'éclaircie, mais je ne crois pas. Donc bon, je vais vous montrer ce qui est possible et sinon on va se mettre à l'abri. J'aime bien que ce soit bordé d'eau partout. C'est très beau. Comme ça a été la tempête hier. Enfin arrivé, c'est super bien, il y a des duos d'asperges, je sais exactement ce que je voulais manger. Vu qu'on est dans la région des asperges, apparemment on a vu plein de champs d'asperges. Voilà, donc récolte fraîche et il y a plein de plats vegan, ça va être génial. Super ambiance aussi. Ah ça y est, Morgane est rentrée. Bon bah j'y vais. Lait de soja. Alors quel chocolat chaud vas-tu prendre? Je vais prendre un calapaya. Pourquoi le calapaya? Parce qu'il y a 60%. Ouais. Moi je vais prendre à 85%. La mousse de carotte. C'est la mousse de carotte.
Des chantilly, des végétales. Ouais, c'est bien, mais... c'est du bon chocolat. C'était délicieux, délicieux, délicieux. On a tout aimé, on aurait même commandé encore plus. Le chocolat, c'est trop génial. En fait, le gros coup de cœur, c'est le chocolat chaud ici. Ouais, c'est excellent. En fait, ça rappelle les chocolats italiens. Ouais. Hein, quand on allait à Vintimille avec nos amis, avec Kaïvan, Aude, Antoine et Janout. Janout. Et en plus, c'est génial parce que finalement, là, la pluie s'est arrêtée. Yeah! On va pouvoir tourner un peu en extérieur. Je me souviens ce que je voulais dire en vrai. Ce qui était trop drôle, c'est que par contre, l'ambiance, ça fait assez étudiant. Jeune, Jones, et ça fait très longtemps que j'avais pas entendu des étudiants en train de se plaindre de leur prof, et du coup, comme Morgan maintenant est de l'autre côté du miroir, c'était assez à mourir de rire d'entendre « Oh là là, mais franchement, c'est pas dur de faire un cours qui serait passionnant, et tout, le prof, nanana, nanana. » Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo comme tout. Pour Morgan. Oui, c'est ça le point en fait, c'est que c'est une ville qui a l'air plutôt étudiante. Et en fait, moi j'ai jamais été comme ça, quoi, du style oh là là, mais mépris total pour les profs. Parce que les profs, ils savent plus de choses que nous, enfin dans l'absolu, ils vont nous enrichir. Mais là, c'est vraiment oh, qu'est-ce qu'ils sont nuls et tout. Mais toi, t'es une asiatique éduquée dans ce respect du prof et de la connaissance et de la compétence, etc. Donc c'est pour ça. Je pense que c'est un élément culturel. Mais toi, t'étais pas comme ça non plus. Non, c'est vrai. Tu vois? Ouais. C'est pas une question d'origine. Ouais, t'as raison. Bon, moi, j'avais l'impression que les profs, ils savaient plein de choses, ils avaient lu plein de livres, ils avaient étudié plein. Exactement. Plein, toute leur vie, donc du coup, on avait plein de choses à apprendre avec. Mais oui, ouais. Mais c'est ça la vraie vie, c'est ça la vérité, Morgane. Oui, mais tu vois, les jeunes, la jeune génération, elle a l'impression que tout est dans Internet, donc. Ah. Mais bon. Ce n'est pas grave, moi, je garde espoir. Hein. Sinon, c'est pas possible. Donc, moi, j'essaie de faire des cours amusants. Yes. Bon, allez, maintenant, on va visiter. Mais pourquoi y a-t-il des voitures? Ça devrait être piéton, ici. Alors, à part ça, c'est très joli. Hein. Musée. Gouttière effrayante. Non, ça a au moins le mérite d'être décoré. Alors qu'est-ce donc ici, Morgane? C'est la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. C'est une cathédrale au style gothique, construite au XIIIe siècle. Et en fait, ça a longtemps été le monument religieux le plus haut du monde. Et en fait, maintenant, c'est la sixième église la plus haute du monde. Regarde, montre combien elle est. Waouh! C'est vraiment un monument emblématique de Strasbourg. Ouais, et moi, ce qui me marque, c'est que tout est rose. En fait, les murs sont roses. Même par là. Ici, il y a d'autres bâtiments. Je ne sais pas ce que c'est, mais les murs sont roses. Je ne sais pas si c'est du granit rose ou si c'est quelque chose de rose, mais les murs sont roses. Et donc la cathédrale aussi, elle est en rose. C'est pas des briques rouges ou c'est pas noir, marron, pollué, sale. C'est en rose. C'est vrai. Du coup, on va aller la voir de face. Ah, donc là, c'est le musée de l'œuvre Notre-Dame. Tout en rose, comme je disais. Ces toitures sont fascinantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop effrayant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ils font ça, Morgane? C'est effrayant. C'est style gothique. Hein. Regarde Notre-Dame de Paris. Quand tu regardes le bossu de Notre-Dame ou autre, t'as déjà des gargouilles. Ça, oui, c'est vrai, mais... Bah, c'est conçu pour effrayer au sommet des cathédrales et puis des monuments religieux. Là, c'est au sol. Tu vas t'asseoir à côté de lui? C'est horrible. Ouais, je regarde là s'il y a mais c'est horrible. Particulièrement, mais... Ah bon, bah, ah ouais, The Genius of the Builders. Bon bah bref, c'est comme ça. Alors, on est parmi les gargouilles. Et j'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a un passage hyper effrayant quand on a passé le pont. Bon, peut-être qu'on le, on repassera exprès en fin de vidéo. Ouais. Quelle ambiance sur la place de la cathédrale!
ça t'inspire, cette espèce de maison sombre là? Doctor Who, les épisodes où les maisons elles font peur. Oui, c'est ça, j'allais te dire, pour moi c'est un genre de maison hantée, genre tu vas te faire aspirer à l'intérieur des murs. Parce que c'est tout sombre, tu vois vaguement une lumière qui scintille à l'intérieur, c'est... Et puis il y a des sculptures bizarres. Ah là là. Là toi aussi t'as pensé que c'était macabre. Mais oui, non, c'est rigolo, c'est surprenant, c'est... Essaye de te rattraper. Ouais, voilà, voilà, hop, c'est design. On plaisante quand on dit qu'il y a plein de trucs effrayants. Si, c'est effrayant quand même. Mais il y a plein de trucs jolis. Par exemple, ici, je trouve que c'est très très beau. C'est vraiment un joli colombage. Et la lumière fut. Chambre de commerce. Très jolie devanture de boulangerie. C'est trop beau. Des bretzels. Des Kugelhopf et des petits cœurs. Morgane, j'ai vu des bretzels. Allez, on va prendre un bretzel à déguster sous la pluie. Ouais, bretzel. Kléber. Et on est à une belle place où il y a absolument tout. Alors, librairie Gallimard. Dans un lieu superbe. Juste à côté, l'Apple Store. Wow, il faut trop qu'on y aille. Par ici, il y a la FNAC, Galerie Lafayette, et là, la librairie Kléber. Super connue, alors là, c'est sûr, on va y passer des heures. Voilà, le reste de la place. C'est magnifique. C'est super ici, en fait, il y a plein de commerces tout d'un coup. Ouais, c'est génial. Moi, j'étais venu à Strasbourg en 2010 pour les rencontres mondiales du logiciel libre. Ah. Et j'avais eu le temps de venir seulement ici, en dehors des rencontres. Donc seulement jusque-là. Et pas en profiter comme on peut en profiter là ensemble. Donc c'est trop bien. Alors, on va commencer par quoi? La librairie Kléber. Un petit peu plus loin, parce que contrairement à 2010, il y a un autre type de magasin qui a ouvert. Il y a Uniqlo. Ah. Alors, Uniqlo, va. Pour rappel, Morgan est un full Uniqlo man. Ah, c'est vrai. Comme et Uniqlo. Ah, Uniqlo, là j'ai un sac énorme. Et aussi, on va faire une razzia à la librairie Kléber. Ouais, c'est clair, elle était trop belle. Oh, magnifique librairie, super bien achalandée. Le rayon manga, vraiment super top. Il pleut toujours, mais il y a des petites éclaircies, petits rayons de soleil. Et là, on dirait qu'il y a une petite Venise à nouveau. C'est magnifique. Oh là là, au bord de l'eau ici, on doit être bien. Je parlais de murs roses. Ici, tout est rose. Rose, 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 rose. Le bouclier d'or. Où tout est en trompe-l'œil. Attention, on inspire. Ici, c'est l'antre des cauchemars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, c'est les anges pleureurs. En fait, c'est des statues qui viennent pour faire et puis ça te propulse dans un monde parallèle et puis c'est terrifiant, c'est horrible. Donc le mot d'ordre c'est don't blink. Ne clignez pas des yeux. Don't blink. Moi je les regarde, hein. Tu sais, c'est le principe. Ah, ils vont peut-être bouger. Et tu dis, ils sont derrière des grillages. À raison. Maintenant, je rigole. Mais tout à l'heure, la première fois qu'on est passé sous la pluie. Peur, hein. Oh ah, bah oui, il faisait noir, enfin, il faisait gris, et ça faisait hyper peur. Voilà. Alors, on tente la terrasse du barrage. Parce que depuis tout à l'heure, je dis qu'on traverse un truc, mais en fait, c'est un barrage. Donc on est au-dessus du barrage, on a une super vue qui surplombe la petite France. On profite de chaque éclaircie. Ici la cathédrale où on était tout à l'heure. On a fait un petit peu de chemin. Morgane, le pro des selfies.
après Orléans, on continue de marcher sur les traces d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait l'ENA juste derrière nous. C'est toi qui me le dis. École nationale d'administration. Pas trop mon domaine, moi c'est les sciences mon domaine. C'est joli, hein, au bord de l'eau. Et le soleil est là. Et derrière toi, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas. Bah, on voit le barrage sur lequel t'es monté tout à l'heure. Ah, le barrage avec toutes les gargouilles de l'horreur. Voilà. Ah, on était sur ce pont tout à l'heure. Il n'y a pas à dire, avec le soleil, c'est encore plus beau. À Morgane. Ouais. C'est beau, la petite France. Ouais. Pour moi, c'est une petite Venise. Ah, décidément, il y a des petites Venises partout dans l'Est. Ouais. Waouh, ma bouche. Précisons qu'on est venu sur cette place qui s'appelle la place Benjamin. Combien? Z-I-X. Parce que c'est pas un chiffre Z, hein. Benjamin Zix, alors? Oui, oui. Regarde, ça s'appelle Zix Plaisel. Ah ouais, Zix Plaisel. Bon, la place Zix Plaisel, parce que Morgane a dit « Oh, il y a plein de touristes asiatiques, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. » On fait en 360 en simultané. T'es moyen. Alors là, c'est le mystère total. Le mystère de la choucroute. C'est assis. On ira voir à quel nom. Ça fait pas mal qu'on y va. Pas du tout à ça. Plein de cadenas amoureux. Oh, c'est effrayant ici. Il y a plein d'eau qui sort de cet hôtel. Allons-y! Canard! Coucher du soleil. Coucher du soleil. Alors Morgane, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est l'église luthérienne de Saint-Thomas. Et ouais, je la trouve très très jolie en fait. Moi, en termes d'architecture, je préfère ce type d'architecture par rapport à l'architecture gothique qu'on a vu plus tôt dans la journée. Oui, c'est moins pointu, il n'y a pas de gargouille, et puis c'est en pierre rose. Oh, c'est où la suite du voyage? Je sais pas. Bah oui, c'est en cul-de-sac.